2 décembre du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on, on la nommera Le Seigneur est notre justice. De la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rende irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte de votre cœur s'alourdissent dans la beuverie, l'ivresse et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Bonjour et bienvenue à La parole expliquée. Nous venons d'entendre les textes habituels, de, de, pas, pas les textes, mais habituellement avec euh, notre ami Marcel Bélanger. Et nous retrouvons le Père Avel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Père. Bonjour Bertrand. Alors, la semaine dernière, nous étions avec le Père Filbert et nous avons terminé l'année liturgique. Et là, on rentre dans un temps euh, bizarre qu'on appelle le temps de l'avant. On n'a jamais le temps de l'après. Qu'est-ce que c'est que le temps de l'avant ben, le, le temps de l'avant, il dure en, en moyenne trois semaines. On aurait dit quatre jusqu'au 25. Mais le temps de l'avant, en fait, quand on lit attentivement les, les textes, il se termine à partir du 17 décembre. C'est-à-dire à partir du 18, vous avez déjà les textes, les textes qui annoncent la naissance vraiment et il est presque déjà né. Et donc le temps de l'Avent qui dure trois semaines est un temps de préparation, de préparation de nos cœurs pour accueillir le Christ qui vient, mais qui est déjà là, que nous avions célébré le dernier dimanche, le dimanche passé, le, le dimanche du Christ roi. Nous célébrons ce Christ qui vient dans sa nouveauté. Ce n'est pas, pas un anniversaire, mais il vient de nous, il vient nouvellement. C'est-à-dire, célébrer Noël, c'est toute la question. Célébrer Noël, ce n'est pas célébrer un anniversaire de naissance, mais c'est célébrer une nouvelle naissance. Et donc, on célèbre un Christ, non pas qui était déjà déjà venu, mais un Christ qui vient. D'où l'importance pour nous tous de préparer nos cœurs pour l'accueillir, comme nous sommes en train de préparer nos maisons, de préparer nos boutiques, nos, grands, nos avenues, pour fêter la Noël. Et donc, nous nous préparons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs pour accueillir ce Messie, ce roi, ce nouveau-né qui nous apportera la paix, la justice et la mort. Alors, justement, hein, vous le dites, on, on, on se prépare. On, 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 dans ce texte, de, dans ces, cette période de préparation, on a des textes qui sont, qui sont assez étonnants en disant. Euh, ben, Affermissez votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, affermissez Mais affermir votre son cœur Affermir son cœur, comme le définit assez bien le, euh, saint Paul dans, dans, dans cette épître aux Thessaloniciens, c'est simplement préparer son cœur, balayer son cœur, l'apprêter, on dirait, pour accueillir le Christ qui, qui, qui arrive. Effectivement, affermir son cœur, c'est vraiment arranger son cœur pour qu'il ait. Qu'on ait un cœur d'humilité, un cœur de douceur, un cœur de paix, pour que le Christ qui vient trouve sa place dans notre cœur et qu'il ne soit pas encombré. Vraiment, le bon mot serait apprêter, c'est-à-dire affirmer son cœur dans le sens d'apprêter son cœur pour la venue du Messie qui arrive. Un peu comme quand on reçoit des, des, des amis qu'on aime à la maison, ben on, on va essayer que la maison soit un peu rangée, que le repas qu'on prépare soit bien préparé, que le couvert soit bien mis, de manière à ce que quand ils sont là, on puisse vraiment être avec eux et non pas à vaquer à la cuisine, à vaquer à... c'est vraiment dans ce sens-là, c'est être prêt, affermir, c'est-à-dire arranger son cœur, l'apprêter l'adoucir, c'est-à-dire dans, dans le sens de la préparation des amis, mais ici dans le sens d'accueillir le Messie, puisque c'est lié au cœur, c'est faire qu'on ait un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur doux, pour qu'il ait de la place dans notre vie. Avec la tendresse. Voilà. La, la tendresse qui, qui euh, je trouve qu'on le souligne assez rarement, mais la tendresse prend tout notre être, c'est-à-dire que... On ne peut être tendre que quand on engage notre, notre, notre corps, notre sensibilité, notre esprit, notre intelligence, toute notre âme. Euh, la tendresse demande l'intégralité, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, ce pas seulement d'intellectuel, mais c'est effectivement l'intégralité de l'ensemble. Il, il s'agit vraiment de d'affirmer son cœur, de l'apprêter pour accueillir le Christ qui vient. Mais non pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est-à-dire en l'accueillant, que l'on soit capable de le partager. Le temps de l'avant, c'est ce temps où on est disposé à accueillir le Messie, mais pour nous, mais, mais, mais qu'il ait aussi une résonance pour les autres qui sont nos voisins. Et quand on lit attentivement la, 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 cette épître aux Thessaloniciens, il le dit très bien, il invite les communautés à accueillir le Christ, mais que les communautés s'apprêtent à être des communautés fraternelles des communautés de paix, des communautés où règne la justice et l'amour. Et très important de relier cet aspect d'affermir les cœurs avec la première lecture que nous avons écoutée sur le prophète Jérémie, qui nous rappelle les qualités du Messie qui naîtra, les qualités de celui qui vient. C'est un règne, c'est-à-dire c'est un roi de justice, un roi de paix, un roi de droiture, un roi d'amour qui vient et qui... Vient, qui ne vient pas seulement pour nous visiter, mais qui vient avec toutes ses vertus pour que nos vies soient remplies de justice, d'amour, de pardon, de miséricorde. C'est-à-dire l'arrivée du Messie, c'est l'arrivée d'un temps nouveau. C'est l'arrivée du royaume de Dieu, on dirait simplement sur la terre, ce royaume de Dieu qui est déjà dans nos cœurs, dont on a l'impression que le Seigneur a déjà perdu la bataille. Parce que quand on regarde les médias, comme je le dis souvent, on a l'impression que Dieu s'est éloigné de notre monde, qu'il n'est plus là. Il n'y a que le mal quand on regarde les médias. Les guerres, les famines, les violences, les meurtres. Mais très souvent, on oublie le côté invisible que les médias ne montrent pas. Chaque fois que vous, que moi, que d'autres personnes ont pu parrainer un enfant dans, dans un pays tiers, en sont allés visiter des parents dans une prison ou dans une maison de retraite, chaque fois que nous nous sommes donné le temps pour écouter, pour parler, nous sommes en train de matérialiser ce règne de Dieu, de le présenter simplement pour que d'autres soient touchés. Parce que si chacun de nous, en accueillant ce Christ, en affermissant nos cœurs tendre doux, de manière juste à accueillir ce Messie qui arrive. Et si nous le partageons, et si d'autres agissent de la même façon, le monde connaîtra une vraie justice, le monde connaîtra partout la paix, le monde connaîtra partout la douceur. Alors, vous, vous, ça, me, ça me fait revenir à ce que vous disiez au début. Hein. On ne fait pas un anniversaire, mais au contraire, on. on, on... Mais il faut toujours s'apprêter. C'est ça le sens d'affermir. Il faut toujours s'apprêter tous les ans à fêter Noël de manière nouvelle. C'est la tentation avec le bruit des commerces. C'est le temps de l'avant. C'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation pour l'accueil du Messie qui arrive. C'est avec tous les divertissements que nous avions autour de nous. Les commerces. Il faut voir que nous, dans l'Église, on est même très en retard souvent dans la préparation de Noël. Il suffit de regarder autour de vous vous verrez que les gens ont commencé à s'apprêter pour la fête de Noël bien avant le mois de, de novembre. C'est bien plus tôt. Et comme chrétiens, on devrait toujours vivre de manière tendue dans l'accueil la, du Christ. Et à Noël et dans les autres moments. Mais là, c'est un temps que l'Église nous donne, un temps privilégié de résolution, de décision pour que l'on regarde vraiment dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Christ prenne toute la place dans notre vie, pour que le Christ vive en nous et que son règne, ce règne d'amour, de paix, prenne toute la place dans nos vies. Effectivement, le Seigneur, dans l'évangile que nous avions écouté, rappelle, restez éveillés. La, la fin de l'évangile, les, les dernières lignes sont très importantes. Restez éveillés. C'est quoi être éveillé C'est être vigilant. Mais être vigilant à quoi être vigilant dans le sens de ne pas se laisser distraire. C'est-à-dire, avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, la tentation pour nous tous, c'est un peu de se laisser aller. Parce que c'est un moment de fête, c'est aussi un moment de gloutonnerie, où on manque de pondérance, de tempérance, où on, on peut boire un peu excessivement, on peut manger excessivement, on s'enferme, on peut s'enfermer à ce qui est... Essentiel dans notre vie et ne regarder que ce qui serait comme dérisoire, périssable, ce qui passe le matériel dans notre vie. C'est-à-dire, euh, à trop se soucier comment je vais passer les fêtes matériellement, on peut oublier l'essentiel qui est la vie de prière, la conversion, le partage, la charité. On peut même s'enfermer, se replier sur soi-même parce qu'on est trop préoccupé et on a trop de soucis. Et le Christ nous rappelle donc, en ce premier dimanche de l'Avent, de rester éveillé. Rester éveillé, c'est rester dans une attitude de prière. Rester éveillé, c'est rester dans une attitude du vécu des vertus théologales, de la charité, de la tendresse, de l'amour. Rester éveillé, c'est garder un contact avec Dieu. Qu C'est-à-dire que les, les, son avènement, que son, son arrivée ne nous trouve pas surpris. Qu'il ne nous trouve pas distraits qu'il ne nous trouve pas perdus dans, 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 dans ce qui n'est pas essentiel, comme quoi c'est encore un rappel à une échelle de valeur dans notre vie. Qu'est-ce qui doit prendre la première place dans notre vie en ce temps de fête Est-ce que ce sont les soucis euh, de, de, de la musique Est-ce que ce sont les soucis des achats Est-ce que ce sont les manques que nous avions matériellement qui empoisonnent et qui emprisonnent notre cœur Et voilà, donc le Christ vient nous ramener à une échelle de valeur dans notre vie et nous invite à rester éveillés. Rester éveillé s'oppose à dormir. Et comme vous le savez, dans le, dans le discours biblique théologique, dormir, c'est laisser place au péché dans sa vie. Rester dans la somnolence, dormir, c'est en fait mourir dans le péché, s'attacher à la terre, parce que le contraire serait se réveiller, rester éveillé, s'élever, donc être ressuscité. Et donc, le temps de l'avant est même déjà une annonce à la résurrection et nous invite tous à rester debout. Parce que c'est ça la signification de la résurrection. C'est être debout. Le temps de l'avant, c'est donc un temps d'invitation, de résolution à être debout, debout dans la fidélité au Seigneur, debout dans le vécu de la parole de Dieu, debout dans la prière. Alors, oui, hein, on, on, on voit bien d'ailleurs d'un point de vue de l'image, on voit bien la personne allongée. Donc dans la position, euh, j'allais dire, euh, euh, du mort, hein, qui est aussi allongé. Mais rien que puis, le sommeil, quand vous êtes endormi, souvent vous n'êtes pas vigilant. Parce que le voleur, il vient à quel moment C'est quand souvent on dort. C'est quand même difficile qu'un voleur vienne quand, quand c'est la journée. Il, il sait étudier les moments où on est fatigué, où on est dans une certaine somnolence, on est dans une certaine fatigue. Effectivement, après une année euh, bien remplie, vers la fin de l'année, la tentation, c'est de se sentir fatigué, c'est de se, de se laisser aller comme je, je le disais. Et d'où l'importance d'ailleurs pour chaque baptisé, chaque fidèle du Christ, de célébrer les fêtes de, de Noël, non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. C'est-à-dire, il, il doit toujours avoir une attitude d'évaluation de l'année de prise de conscience de ce qui n'a pas marché tout au long de l'année dans ma vie spirituelle, dans ma vie humaine, pour que je me relance dans un nouveau défi dans l'année qui arrive. Comment je vivrai cette année humainement Comment je vivrai cette année spirituellement Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma relation avec le Seigneur Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma relation humaine avec les autres pour que je ne reste pas fadi, Parce que le, le, le chrétien, comme, comme on le dit, a toute... À toute une invitation, c'est qu'il est créé pour aimer Dieu, pour vivre la sainteté, mais il est aussi, il lui appartient une certaine mission, c'est annoncer le règne de Dieu. Par quelles paroles, quelles sont les actions que j'ai menées tout au long de cette année pour que ce règne de Dieu qui arrive et qui est déjà là soit visible Quels sont mes échecs La fin de l'année doit donc être un temps d'échelle de valeur. De, de savoir mettre des priorités dans notre vie pour notre vie aussi bien humainement que dans son ensemble et pour savoir se relancer. Alors je je, je vais remonter. Vous avez parlé de la fin de l'évangile. Je vais aller un peu euh, au début de l'évangile où on voit quand même des des. C'est un texte difficile hein, à entendre où on voit il y aura des tremblements de terre, il y aura des peurs, il y aura des. On se dit mais L'Église n'est pas là pour nous faire peur. Pourquoi on a gardé des textes aussi terrifiants qui font aussi euh, aussi peur Parce que euh, il est clairement dit que les nations mourront de peur. Les, les... Donc c est, c est, c est... ça paraît étonnant. Et en même temps, ben, ça fait partie de la parole de Dieu. En même temps, c'est justement, vous l'avez dit, ben, la conclusion, c'est de rester éveillé. Les, les nations qui mourront de peur, ce sont des nations qui ont vidé Dieu l'existence de Dieu au cœur de leur vie. C'est-à-dire, c'est toute l'expérience d'Israël. Hein? Tous les textes doivent être interprétés à partir de, de l'expérience du vécu d'Israël. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible de manière linéaire, depuis pratiquement à partir de, 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 de la sortie de l'Égypte, Israël n'est pas toujours fidèle à l'alliance ou dans sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, comme dans chacune de nos vies, Israël a des moments de grande richesse où il connaît la paix, et qu'est-ce qu'Israël fait Israël oublie le Seigneur, se perd dans la distraction. Chaque fois qu'il y a eu une réussite dans, dans, dans la société de, de cette époque, souvent ils mettent Dieu à l'écart, ou ils, ils privilégient autre chose. Et qu'est-ce qui arrive Ce sont souvent des moments douloureux, de grincement de dents, de pleurs, pour ramener Israël. Donc, ces moments difficiles font partie de la pédagogie de Dieu en quelque sorte pour ramener son enfant, pour ramener ses fidèles vers lui. Les, les moments difficiles, c'est aussi les épreuves dans notre propre vie qui doivent quelquefois être, qui doivent être considérées comme des temps, de, 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 vraiment de, de forts moments. Où on doit raffermir sa, sa, sa relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, les temps des épreuves, pas, ce ne sont pas des temps qui doivent nous laisser s'écrouler, mais des temps qui doivent nous ramener vers lui. Et donc, Israël a connu ces événements. Et quand le Christ se rappelle que les nations auront peur, ce sont les nations qui resteront dans l'infidélité. Ceux qui auront peur de la mort, ce sont ceux qui n'espèrent à rien après la mort. C'est-à-dire, qu'il y ait des grincements des dents, qu'il y ait des tremblements de terre, mais le chrétien, quand, quand le Seigneur nous invite à rester éveillé, il doit être prêt, mais toujours prêt, à aller à la rencontre de Dieu. Et cette rencontre de Dieu se fera par le passage, par la mort. C'est-à-dire, il faut relier notre vie, hein, doit toujours être lue de notre naissance. Comme le disent les philosophes, naître, c'est mourir. Quand tu es né, il faut s'attendre que tu mourras. Mais la question n'est pas de mourir. Comment est-ce que j'irai vers la mort Telle est la question que doit se poser le chrétien. D'où la nécessité de toujours s'apprêter, s'affermir pour rester dans une dynamique de la relation avec Dieu, de telle sorte qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, même si je meurs, puisque je vais mourir un jour, que le Seigneur vienne à ma rencontre ou que j'aille à la rencontre du Christ pour... Parce que je suis son enfant et qu'il ne me laissera pas. Donc, c est, c est, c est, c est, ce texte qui, qui fait peur pratiquement, qui annonce la fin des temps, c'est juste une caricature du peuple juif. Parce que tout le long de l'Ancien Testament, les juifs pensaient la fin des temps de cette façon, que le jour où Dieu viendra, il y aura vraiment des, 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 des fractures, des séismes. La réalité, on a témoigné autrement. Il est venu sans bruit. Il est venu dans l'humilité et ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, c est, c est, c est, cette description ne prend en compte effectivement que leur propre histoire, qui peut peut-être être la nôtre. Mais vous le savez, la fin des temps aussi ne sera pas une réalité certainement collective. D'autres l'ont déjà prédit, les témoins de Jéhovah en 2000 et tout. Mais l'important c'est de rester dans une dynamique. De s'affermir, de s'apprêter pour rencontrer le Seigneur, aussi bien individuellement que communautairement, dans notre église et dans notre société. Alors merci. Hein. On, 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 on s'approche de la fin de notre émission. Quel serait le, 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 le mot J'allais dire. On a parlé justement de l'affermissement du cœur. On a parlé essentiellement de ça. Moi, il y a, il y a une chose euh, euh, qui marque aussi, c'est le fait. Vous en avez parlé que euh, ben, ce n'est pas un anniversaire, mais c'est vraiment on est rendu présent à la naissance, on est rendu présent, euh, on n'est pas du tout dans le... Certaines philosophies parlent de ⁇ ici et maintenant ⁇ là on est plutôt euh, euh, dans un retour aux origines perpétuelles, c'est-à-dire qu'on se rend présent, euh, tout comme d'ailleurs à la messe, hein. à la messe, ce n'est pas le renouvellement du sacrifice de la, loi, de la croix. Pardon. Mais c'est tout simplement, on est rendu présent à ce moment unique. Et c'est un peu ça. Et, et ce que vous avez dit aujourd'hui, d'ailleurs, rentre dans cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on est rendu présent à notre, euh, à notre naissance ou à la naissance euh, du Christ plus exactement, qui nous permet de nous-mêmes naître à nouveau. Ben, quand, effectivement, pour, 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 pour finir, hein, je vais juste rappeler que tous les temps de préparation dans l'église emportent la couleur violette. Mais c'est aussi rappeler que c'est un temps de pénitence et de réconciliation. C'est-à-dire le temps de l'avant comme je l'ai dit tantôt, c'est le temps où on doit se convertir parce que affermir, c'est aussi se convertir, simplement convertir son cœur, la conversion en latin c'est s'orienter différemment ou bien faire un revirement pour changer de direction parce que la direction que je suis en train de prendre n'est pas la bonne. Et effectivement, pour se rendre compte que la direction que je prends n'est pas la bonne, il faut s'asseoir, évaluer son parcours, d'où on est parti, d'où je disais, il est très important pour une fin d'année, aussi bien civile que, que, que liturgique, de s'asseoir, de se donner le temps de prière, d'évaluer sa vie, d'évaluer son parcours de l'année pour pouvoir prendre de nouvelles, de nouvelles résolutions pour la nouvelle année qui arrive. Et, dans laquelle on va se lancer le, le dimanche 2 euh, de, de, de no, euh, décembre. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine.